Salut à tous, l'inédit devra quitter le Real à la fin de saison pour prendre les manettes de la sélection française après le mondial 2022 d'après mes informations. Otavio, du côté de Bordeaux, Otavio a été victime d'une rupture à un tendon d'Achille. Il va être privé demain plusieurs semaines. Paulo Souza pourrait devenir sélectionneur de la Pologne. L'attaquant Ronaldo de la Juventus a marqué 32 buts sur ses 32 dernières apparitions avec la Juventus, toutes compétitions confondues. Du côté de la Fédération française de football, Noël Legret s'est présenté comme candidat à la présidence. Franck en parle dans 4 matchs pour convaincre le bord de Chelsea. La rencontre Nîmes-Lorient est reportée pour cause de Covid. Enfin, du côté du foot, la FIFA menace les joueurs en cas de création de la Super League. S'ils participent à la Super League, ils n'auront pas le droit de participer à des compétitions internationales. Du côté du cyclisme, Wout van Aert prolonge ses Jumbo jusqu'en 2024. Enfin, Viviani est opéré pour une arythmie cardiaque. Tous, Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a été conforté sur son poste. Lors du mondial de handball, la France s'est défaite de l'Algérie 29-26. Agüero est positif au Covid-19. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.